Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va niquer. En tout cas aujourd'hui on est là pour une toute nouvelle vidéo. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, enfin ce que je vais faire, parce que toi tu vas rien faire, t'es devant ton écran là. Mon micro il va se calmer gros. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous apprendre comment se boucler les cheveux, comment avoir des cheveux curly, donc curly hairs. Yeah. Juste avant que cette vidéo commence, je compte vraiment sur vous pour vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et Twitter, il s'affiche actuellement à l'écran. Nesuyt. Yeah. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer la vidéo. C'est parti. Puis dehors, il se passe des trucs vraiment choquants. Je sors d'une mêlée, je croque dans mon grec, je laisse de chicot. J'allume mes plans phares sur le... Ok les mecs, du coup juste avant que le tuto commence, je tiens à préciser que cette technique elle marche pour tout le monde. Enfin pour ceux qui ont les cheveux déjà longs, enfin genre qui arrivent aux yeux à peu près, bah genre ils auront vraiment des vrais curls, enfin des vrais curly, t'as compris ce que je voulais dire, bref. Et pour ceux qui ont les cheveux assez courts comme moi, bah en gros ça va juste leur faire aérer plus les cheveux et ils auront les cheveux plus sains, genre les cheveux plus sains et plus aérés. Et genre ça ressemblera à des boucles, enfin ce sera des boucles mais ce sera pas des curly, je pense que t'as compris ce que je voulais dire, bref. Du coup je vais directement vous montrer en quoi consiste la technique, n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit abonnement. Yeah. Du coup pour cette technique vous aurez besoin d'un peigne, de ce produit là, faire une petite focus, comme une youtubeuse beauté, un focus plutôt, voilà. Vous aurez aussi besoin de ce produit là, si vous en avez pas c'est pas grave mais genre un produit similaire à peu près, genre du gel un peu comme ça, voilà, du gel comme ça qui ressemble à rien finalement. Et puis c'est tout, c'est vraiment tout. Donc en gros pour la première étape vous devrez tout simplement vous démêler les cheveux. Attention pas casser le peigne de maman. Donc voilà, juste démêlez-vous les cheveux. Et vraiment faites vraiment attention à tout démêler, faut vraiment qu'il n'y ait plus rien d'emmêlé. Quand vous avez fini de vous démêler les cheveux, bah c'est fini. C'est un prank en fait, c'est au cas où vous y avez vraiment cru. Du coup maintenant que vous avez démêlé les cheveux, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape consistera à faire les twists, donc des twists. En gros je vais vous montrer directement ce que c'est, parce qu'en gros moi j'arrive pas à me les faire, mais je vais demander à ma soeur de me les faire, yes let's go, yeah. Ok donc en gros pour cette étape, vous devrez tout simplement faire les twists. Oh non pas ça. Et en fait j'ai remarqué que dans la vidéo on voyait pas très bien comment ma soeur le faisait. Du coup bah je vais vous montrer directement sur moi, donc c'est parti. Ok du coup les mecs, pour faire des twists vous devrez simplement prendre une partie de vos cheveux. Tout dépend si vous voulez des gros ou des petits twists. Vous prenez la partie en fonction. Ensuite vous devez les diviser en deux et les tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et ensuite vous aurez les twists, voilà. Ok donc en gros là comme vous pouvez le voir j'ai quelques twists. Mais faut vraiment faire partout sur la... Ah t'es bizarre le sang. C'est bizarre quoi. En gros faut vraiment faire genre partout. Donc moi je vais vraiment faire partout. Et demain matin j'enlèverai mes twists. Du coup une fois que vous aurez fait vos twists, vous aurez plus qu'à attendre le lendemain matin. Genre vous laissez vos twists le lendemain matin. Personnellement je mets rien du tout sur pour les couvrir, genre je mets pas de bonnet etc. Mais vous pouvez en mettre un si vous avez peur genre de les abîmer, enfin genre de les défaire etc. Du coup vous attendez une nuit et le lendemain matin vous les enlevez, genre vous enlevez vos twists. Et voilà, donc yes. Bah du coup on se retrouve demain matin hein. Yeah. Bien dormi l'équipe. Ok donc là en gros on va passer au détwistage. Ça c'est vraiment la dernière étape avant que vous ayez des curls. Je sais pas si vous voyez, ça commence déjà un petit peu à prendre ici. Donc comme je l'ai dit, vous allez commencer par détwister vos cheveux. A few moments later. Ok donc je sais pas si vous voyez, mes cheveux sont déjà un peu plus aérés. J'ai pas fini, mais en manque 2 ou 3. Ici vous devrez tout simplement mettre de l'eau pour faciliter le curlissage. Encore. Ça fait beaucoup là non. Chut. Ferme ta gueule, j'aime bien le silence. Ok, donc en gros ici, vous devrez simplement appliquer le produit Leave-In de chez Cantu. Donc voilà, vraiment, mettez-en partout dans vos cheveux et faites vraiment aussi attention à ne pas en mettre trop non plus parce que ça pourrait laisser des traces pendant 2-3 heures. Je suis vraiment PG en fait, quand je me rends compte. Quoi ? En vrai, c'est commencé un petit peu à donner l'effet, c'est plutôt cool. Yeah ! N'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Yeah ! Ok, donc en gros ici, vous devrez simplement appliquer un gel partout sur vos cheveux encore une fois. Et ensuite, bah, regardez le résultat. Ok les mecs, du coup, voilà le résultat final. Non en vrai les gars c'est pas fou, mais je vous avais prévenu que moi ça allait pas faire vraiment des vrais curls. Mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment beaucoup plus bouclé que de base. Là c'est mes cheveux vraiment de base on va dire. Et c'est vraiment beaucoup plus bouclé que sur la photo que je vais vous montrer. Enfin que vous avez pu, t'as compris ce que je voulais dire, yeah. Du coup voilà les mecs, encore une fois pour tous ceux qui ont les cheveux plus longs que moi, qui leur arrivent aux yeux, ça fera vraiment des vrais curly. Pour ceux qui ont des cheveux assez courts comme moi, vous aurez les cheveux plus bouclés. Et ensuite faudra vraiment faire ça beaucoup de fois pour que vos cheveux deviennent vraiment très très bouclés. Mais vraiment faites le plusieurs fois d'affilée s'il faut. Comme ça vos cheveux deviendront vraiment bouclés. Et pourquoi pas vous aurez peut-être des vrais curls, j'en sais rien. Mais essayez vraiment de le faire vraiment plusieurs fois, genre peut-être 3 ou 4 fois, vraiment essayez de le faire plusieurs fois. Sur ce, moi je vous dis ciao, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement si t'es resté jusqu'ici. Commente chouette en commentaire si t'es resté jusque là. Moi je vais vous laisser, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram et à mon Twitter. Et sur ce, moi je vous dis au revoir. Et je vais un peu vous raconter ma vie avant que la vidéo se termine, comme ça elle dure un peu plus de temps. Du coup il faut savoir que hier en fait j'ai pris l'avion. C'est un prank en fait. C'est au cas où vous y avez vraiment cru. Non vraiment les gars je vous laisse, ciao et bonne chance pour vous boucler les cheveux. Ya yeah.